les amis, dans cette vidéo, je vais dépenser plein de Robux pour pouvoir améliorer mes machines et ainsi obtenir la meilleure épée au monde. Les amis, êtes-vous prêts à créer votre épée, l'épée la plus puissante de Roblox sur Roblox Sword Factory X. Vite, vite, les amis, on n'a pas le temps, vite, faut activer notre machine. Allez, je fais quoi? J'appuie sur le bouton spawn. Allez, let's go, c'est parti. Et ça fait quoi? Oh, ça pose un bloc et ça passe dans un molder. Ok. Attends, c'est comme ça qu'on fabrique une épée dans Roblox. Ensuite, là, c'est un polisseur. Oh, les clés légères et tout. Et ensuite, on a quoi? Attention, le bloc, il arrive dans le classificateur. Oh, et t'as même le temps et tout. Oh là là, tiens, qu'on est en train de faire, les amis, la meilleure épée de Roblox. C'est incroyable. Ensuite, c'est l'améliorateur. Ok, très bien. Avec le lance-lame, et là... Oh, l'enchanteur applique des effets spéciaux et capacités, trop bien. Et là ensuite on a l'évalueur, augmente les dégâts et la valeur. Attention, et regardez, on a notre bloc qui passe dans le compresseur et ça donne, où est-ce qu'elle est, elle est là-bas. Attends, c'est quoi ça? Et ça c'est, oh, t'as même les paramètres de la machine. Ah, c'est le truc là-bas, c'est ça. Oh, et on obtient notre épée. Je peux la ramasser? Oh là là, elle est tellement belle. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Jumper. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à créer vous aussi votre propre épée. On se retrouve, comme vous l'avez compris, sur Roblox Sword Factory X. Et c'est tout simplement une usine, les amis, d'épée dans Roblox. C'est ici qu'on fabrique notre épée dans Roblox. Regardez, vous avez vu toute cette machinerie, tous ces convoyeurs? Ça, mon gars, c'est de la fabrication. Alors j'ai vu que j'avais gagné de l'argent. Attends, est-ce que je peux en gagner si genre je vends... est-ce que... Oh! Attendez, avant de vendre cette épée, je vais quand même l'essayer. On va quand même pas vendre une épée qui n'est pas affûtée, les amis. Attention, on va l'essayer. Tiens, tiens. Ok, je fais 3,39 de dégâts. D'accord, ok, là-bas, c'est quoi? Gardez vos objets en sécurité. Ah oui, là-bas, c'est pour stocker nos objets. Et là-bas, on peut les renommer. Oh là là, c'est tellement cool. Attends, non mais regarde, ici, tu peux renommer ton épée. Très bien, bah écoute, je vais la renommer pour les abonnés. Allez, on va la nommer comme ça. Attention, si je la pose là, je peux la poser là. Comment ça se passe, lâcher objet, c'est ça? Oh! Et oui, là, je peux la renommer. Pour les abonnés. Voilà. Ça, c'est parce que forcément, vu votre force, les amis, alors là, je peux vous dire que cette épée, elle va être surpuissante! Voilà. C'est bon, ça marche? Faut payer en gemme? Non, tu rigoles. Faut choisir peut-être la couleur. On va mettre en rouge. C'est bon? Je peux la récupérer ou... Est-ce que ça marche? Ah, il faut peut-être des gemmes. Ah ouais, bah, j'ai zéro gemme. Attends, allez, juste pour le fun. On va se prendre ça. Voilà, je l'ai nommé la force des abonnés. Oui, il manque le E, mais en même temps, il n'y a plus de place. Hein. Voilà, c'est bon. Yes! Oh là là, ça, c'est une épée qui va valoir cher. Regardez, la force des abonnés. Oh, elle est stylée. Ok, très bien. Du coup, donc, on va aller mettre cette épée. On va la mettre en stock. Non, je suis vraiment obligé de la vendre. Peut-être pas. Attends, j'ai de l'argent. Du coup, celle-là, c'est notre première épée, les amis. On va la garder. On va la stocker. Ok, je vais la mettre ici. Voilà, comme ça, en fait, c'est un petit peu mon coffre. C'est ici, justement, que je vais pouvoir stocker les épées que je veux garder. C'est les plus belles épées. Mais d'autres que je vais aussi également vendre. Très bien. Oh, ça, c'est quoi ça? Ah, tu viens et t'as un bonus? Oh, trop bien. J'ai des gemmes. Ok, c'est bon. J'ai obtenu 250 gemmes. Du coup, on est parti. Allez, on fait fonctionner l'usine épée. Voilà. Je peux en faire apparaître plusieurs ou. J'essaye de voir. Ok, alors ça fabrique ou il faut attendre que ça se termine? Ah non, je peux en faire plusieurs. Alors, génération automatique, loqué. Ah, il faut avoir un convoyeur de niveau 5 pour le faire. Ok, donc très bien. Alors, donc déjà, alors est-ce que je peux améliorer les convoyeurs? Là, j'ai le transporteur. Le transporteur, c'est le convoyeur. Attends, pour moi, c'est ça. Oh oui, c'est ça. Je l'ai mis niveau 5. Regardez à gauche, on a toutes les améliorations possibles. Alors, je vais améliorer. Je vais activer l'automatique. Et là, regardez, ça va lancer automatiquement les épées en fabrication. Et ça, c'est quoi ça? Alors, vous pouvez utiliser les modifications, d'accord? Ok, alors je peux faire quoi ici? Paramètres de la génération. Oh, ah ouais, j'ai plein de trucs. Je peux activer ça. Ok, désactiver les messages système. Je peux mettre ça en... Tu peux tout changer, quoi! Mais c'est un délire! Mais c'est génial! Ok, regardez, voilà. Et là, ça part tout seul. Alors, je vais améliorer quoi ensuite? J'ai amélioré le transporteur. Aussi, le molder. Voilà, comme ça. Très bien. Le polisseur. Oh là là. On va... Tout ce qui est niveau 1, je vais l'augmenter un petit peu. Oh! Ça me dit d'aller là-bas. C'est quoi ça? Téléporteur. Île Noob. Alors, attendez, les amis, avant d'aller à l'île Noob, je vais reprendre une épée. Oh, regardez, ça en a fabriqué d'autres. Oh, on a même la valeur. Donc, celle-là, c'est la meilleure. Oh, c'est une épée en cuivre et tout. Ah, génial. Bon, je vais lâcher celle-là. Je vais garder. Ah, mais non, en fait, quand tu vas là-dessus, t'es obligé de les prendre. Très bien. Et si je clique là-dessus, vendre. Ça les vend ou pas? Un peu, faut être dessus, c'est ça? Ça les vend. Ça en a vendu et tout. Trop bien. Oh, en fait, tout ce que tu lâches là-dedans, ça se vend et tout. Oh, excellent. Bon, bah écoute, direction l'île de Noob. Alors, ça se passe quoi? Oh, qu'est-ce qu'on fait ici? On poutre des noobs? Et il balèze. What? Il m'a tellement explosé.
Non, c'est pas vraiment des noobs, hein. Ils sont vraiment résistants, hein. Oh la vache. Ok, alors on a aussi un système de niveau, très très bien. Alors ça, je le prends. Voilà. Ça, c'est ma nouvelle épée, voilà. Je peux la prendre, s'il vous plaît? Où est-ce qu'elle est? Attends, j'essaye de voir. Ah voilà, c'est bon. Ok, j'en ai une. Voilà, on va retourner à l'île des noobs, mais alors, oh la vache. Ok, j'ai récupéré mes objets. Ah oui, tu peux les récupérer quand même. Mais en fait, c'est un boss, c'est pour ça. Ils sont pas censés être là. Niveau 68. What? Mais ils sont super forts. Regarde, lui, c'est un nul. Ah ouais, la vache. Ok, bon, j'ai compris. Ok, ok. Il faut que j'améliore mes épées pour... Très bien, il faut mes machines pour avoir des meilleures épées. Pas de soucis, ça. Allez, vas-y, on est parti. Alors, je vais améliorer ça. Voilà, on va mettre comme ça. Celui-là aussi, voilà le molder. Donc c'est à dire que là ça va fabriquer vraiment des meilleures épées les amis hein. Oh, elles vont être tellement folles. Oh là là. Ok, on va améliorer l'améliorateur, l'enchanteur, l'évaluateur. C'est quoi cet évaluateur? Ah oui, ça augmente la valeur, c'est vrai. Donc peut-être on peut vendre mieux, tu vois, comme ça. Voilà, on va améliorer ça. J'ai tellement d'argent. Je suis à 300, attends, je suis à 3000 de thunes. Et là je suis à quasiment 300 pour les améliorations. Oh, mais c'est ouf. Mais là, mais attends, on va se mettre trop bien les amis. Oh là là. Mais c'est ouf. Non mais j'ai trop hâte de voir les épées qui vont sortir. Ah voilà, c'est bon, je suis au maximum. Ça c'est pour la machine, ok, de toute façon j'ai tout activé. Tu peux gérer tout ça aussi. Ok, donc là, attention. Alors là, les épées qui vont arriver. Oh, t'as des épées hippiques. Oh, utiliser l'ascendeur pour améliorer les différentes statistiques. C'est où l'ascendeur? Ah, c'est là-bas. Ok, bah je veux bien, ouais, vas-y. Let's go, je prends celle-là. Ok, une bleue. Ok, lumière. Oh putain, ça fait une nuit, c'est tout noir. Ok, donc là, ah voilà, c'est bon. Ok, donc là, ça veut dire qu'ici, je peux mettre une épée. Oh. Ok, et là, regardez, on a des améliorations. Améliorer la qualité, ouais, je veux bien ça. Fais voir un peu. Ok, ça améliore la qualité, ça pompe, regardez, ça pompe de l'énergie, attention. Boum, voilà, on passe à une qualité supérieure. Oh, le bruit que ça fait là, ça va exploser ou c'est normal? Attends, mais c'est normal ça? C'est un truc de malade. Faut peut-être mettre une épée de l'autre côté aussi, hein. Ouais, ça doit être ça, à mon avis. Faut mettre une deuxième épée, je pense. Regardez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Je vais voir, je vais essayer. On va essayer. Ou alors, c'est peut-être qu'il y a 1% de chance, mais. Ouah, je vais prendre celle-là. Let's go, ok. Let's go. Après, vous inquiétez pas, on va vendre tout ça. Je crois que ça se vend peut-être tout seul, en fait, hein. On va mettre une autre épée là. Fais un peu. Ah, oh là, oh là. Non, non, j'ai l'impression que c'est au hasard, hein. Fais un peu comme ça. Ouais, non, non, je pense qu'il faut pas. Tu mets rien ici. Ouais, tu mets rien ici. Ouais, c'est juste qu'on a pas de bol. Ah ouais, ok, très bien, bon, c'est pas, on va la regarder comme ça. Si je fais juste améliorer le moule. Attention, amélioration. Amélioration, allez. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ok, ok, ouais, en fait, ouais, je peux la retirer. Arrêtez, arrêtez, c'est bon, je vais la récupérer. Je peux la récupérer, voilà, objet de libération. Voilà, votre objet a été libéré, yes. Donc là, j'ai une meilleure épée. Trop bien, j'ai les stats dessus. Ah ouais, 12 de dégâts, cool. Mais attends, mais là, j'ai récupéré encore masse pognon, là. Allez, vas-y, on améliore ça, voilà. Allez, moi, j'améliore tout. Comme ça, tout au même niveau, les amis, c'est mieux. Voilà, comme ça, impeccable. Impeccable, allez, ça aussi. Oh là 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 là. J'ai tellement de thunes. Alors, ça se voit pas trop qu'ils sont améliorés, mais en sortie, les épées, par contre, elles, ça se voit direct. Alors là, je peux te le dire. Ok, donc ça, voilà, on va mettre tout à 1000. Allez, tout à 1000. Voilà, oh là 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 là. Tout va être déjà niveau 20. Regardez ça. Mais là, les épées qui vont arriver là vont être légendaires, là. Quoi? J'ai 860. Ok, ouais, bah je peux améliorer ça encore. Ouais, vas-y, c'est bon, let's go. Ok. Alors là, les épées. Fais voir un petit peu. Moi, elle fait combien celle-là? Si je prends celle-là, là. Un petit peu. 11. Ouais, 12. J'ai bien envie de retester le truc des noobs. Même si, à mon avis, je pense qu'ils vont m'exploser. Ok, alors là, let's go. On va tester. Oh, le nul. Oh, le nul. Oh, je les explose, ça y est. Oh, ils lootent des épées. Il donne des épées quand l'X explose. Et c'est quoi l'index? Ok, ouais, c'est pour le truc, ok. Oh, c'est pour les stats. Oh, c'est trop bien. Alors, il récupère les épées aussi, mais regardez. On fait un peu... Wow, ça va, je m'en suis sorti. Je m'en suis sorti, par contre. Alors, je sais pas si les objets, on peut les récupérer ou pas. Oh là là, j'en ai explosé quelques-uns. Et ça, c'est que l'île de noob, les amis, vous imaginez? Oh, regardez les amis. Oh, regardez les épées de ouf que j'ai maintenant. Oh là là, c'était bien marqué légendaire. Oh, elle fait combien de dégâts? 212. Oh, ça va faire tellement mal. Je peux vous dire que là, les noobs, ils vont pas faire les malins. Alors là, j'arrive, les noobs. Oh, les noobs, vous êtes pas prêts. Allez, venez là, venez vous battre. Alors, par contre, ouais, ils ont beaucoup de points de vie. Oh, le Epic Boss, non, non, pas le Epic Boss. Tiens. Oh là là, je l'ai tellement explosé. Allez, toi aussi, viens là.
Bah allez, il faut beaucoup moins les malins là. Alors par contre je pense que les boss doivent faire très très mal hein. D'ailleurs, oh, il y en a un là-bas justement de boss. Regardez, en dessous la statue du noob. L'armée derrière moi. Oui je sais, vous avez envie que j'aille dedans. Mais à mon avis je suis mort hein, clairement. Waouh, le boss là. Plus d'un million de points de vie quasiment. Je peux les taper là ou pas? Un peu. Oh ils font mal, oh ils font mal, non. Bon, en même temps, ils étaient une dizaine, hein, tu m'étonnes. Et regardez les amis, j'ai bientôt mes machines au niveau maximum. Allez, on va continuer de les améliorer un petit peu, histoire d'avoir des armes encore plus pétées. Parce que regardez maintenant, des armes épiques et des armes rares. Et regardez, des légendaires qui se vendent 111 000, quoi, c'est ouf. Ouah, c'est quoi cette épée rouge, là? C'est quoi comme épée? Oh, une épée mythique. Oh, 300 dégâts, c'est incroyable. Alors on est toujours sur les épées en bois. Oui, parce que regardez les amis, là j'ai bientôt fini d'améliorer mes machines. Mais en fait, quand tu les améliores à fond, regardez, ça va donner comme là le classificateur. C'est-à-dire qu'il va passer au numéro 2 en amélioration. Regardez, je l'améliore à fond. Regardez les transporteurs, et là, voilà. Alors lui, il est au max, bon ça c'est bon. Et le molder, voilà, là regardez, il est passé au niveau 2. Ça roule, du coup pareil pour le polisseur. Bon bah lui, il est déjà niveau 2, hein, donc voilà. On le mettra au niveau 3. Donc j'imagine qu'après... voilà, donc après on va faire des épées d'un nouveau rang. Donc peut-être que genre on aura un manche plus en bois comme ça, mais genre ou en bronze, tu sais, en métal ou même en or, ça pourrait tellement être stylé quoi. Oh là là. Bon, j'ai quand même envie d'aller tester cette épée. Ouais, j'ai beaucoup d'argent là, donc là regarde ça. Regardez l'amélioration. Oh là 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 là, il n'y a pas une touche pour aller encore plus vite, tu vois. Alors je vais tester cette épée là quand même sur... Attends, il y a le canyon de sable. On va aller voir après, on va aller voir après. Déjà, on va aller voir sur les noobs. Sur les rares. Ouais, les rares, c'est pas mal. Ouais, les rares sont pas mal. Ok, attention. Bam. On les explose. Je vois, bah, c'est vraiment cuant sur les noobs et tout. T'obtiens justement les fameux gemmes. Mais regardez, ils font trop mal, hein. Ils font trop mal, c'est dommage. Alors, c'est une usine à épée, mais on n'a pas pensé à faire une usine à armure, tu sais. Non, mais c'est vrai, en plus, la blague, on n'a pas fait d'usine à armure. Du coup, direction le canyon de sable. J'ai envie juste d'aller voir un petit peu. Wow. Ah, c'est que des noobs. Ah ouais, par contre, ils ont l'air d'être tellement balèzes. Oh, où le boss ici? Oh, lui, il va m'exploser, regardez. Non, il arrive au ralenti, mais il peut totalement m'exploser, quoi. Wow. Ils sont tellement forts ici, les amis. Il nous faut, du coup, une meilleure épée. Alors, les amis, on vient de m'offrir une épée. Je vous jure que c'est vrai, regardez, voilà, il y a un VIP, donc à face à rien. Donc, merci beaucoup, qui m'a offert une épée de ouf. Regardez cette épée! Mais elle est incroyable! Alors, ouais, attendez, je vais continuer à améliorer mon usine. Mais oh, c'est quoi cette épée arc-en-ciel de Dieu? C'est marqué Godly, quoi! 3 millions de dégâts! Non, mais vraiment, les amis, regardez cette épée! Elle est incroyable, quoi! Oh là là! J'ai même un effet de lumière quand je tape! Bon, bah, du coup, comme j'ai dit, bah, direction le canyon de sable, là. Hein, quoi? Quoi? Non, s'il te plaît! Oh là, j'ai cru que j'allais mourir parce que là, si je meurs, je perds l'épée, hein! Je vous rappelle que, ouais, je veux pas perdre l'épée, s'il vous plaît. Alors, un boss légendaire, je peux le poutre. T'es pas le boss, hein, non? Ouais, bon, bah, de toute façon, on a pas le choix, let's go! Oh! Je l'ai explosé! Mais attends, mais le boss des noobs, je vais l'exploser totalement. Et j'ai rien demandé, quoi. Les gens sont tellement gentils, c'est ouf, quoi. Donc, là, let's go, quoi. Oh là là! Oh là là! Oh! Ils loupent toutes leurs épées! Incroyable! Regardez toutes les épées que j'ai, quoi! Oh, tu m'étonnes, il me faisait mal, il avait une épée à 900 de dégâts. Alors lui, c'est le boss divin. Il va me faire extrêmement mal. Non, je l'ai explosé. C'est quoi son épée? Waouh. Waouh. Ah, mauvais. D'accord. Alors, waouh, mais quand même, quoi. Il a pas un effet sur son épée? Même pas. Ah ouais, donc il y a que celle-là. Donc là, en fait, j'ai officiellement l'épée la plus puissante au monde. Deux Roblox et tout, quoi. Mais c'est incroyable. Incroyable, c'est ouf qu'on m'ait donné cet effet. Oh là là les amis, et regardez les épées qu'on a pu trouver. Il y a du divin, il y a du légendaire, du rare. Mais laisse tomber, c'est incroyable. Donc moi je fabrique toujours pour l'instant des... regardez, des petites épiques là, mais les épiques ils se vendent bien cher hein, quand même. Hein, ça va quand même là-dessus. J'ai d'ailleurs le transporteur, je le dis au maximum. Là les amis, je vais continuer d'améliorer un petit peu justement les polisseurs, ça et tout. Même si l'entune ça commence vraiment à baisser, mais oh là. Mais cette épée elle est ouf, faut absolument que je monte là au niveau 120 pour aller dans la zone du froid les amis. Oh les amis, regardez le niveau de mes machines. C'est tellement un truc de fou. Oh là là. Alors là je peux vous dire que là les épées qui sortent de ça, elles vont être tellement puissantes. Ouais, j'ai toujours mon épée. Et d'ailleurs en fait c'est pas mon épée hein. Ah si, en fait non, j'allais dire c'est pas mon épée qui me donne des points de vie, mais si, regardez, je passe de 6390 à 9,1 millions de points de vie. Oui, parce que le niveau aussi ça change hein, ça change aussi. Donc là il faut qu'on soit justement les amis niveau
s'en va. Voilà, donc là on est niveau 106. Alors ça monte automatiquement. D'ailleurs il y a aussi également des upgraders, donc des améliorations. Regardez directement ici d'ailleurs. Oh, améliorateur, ça on va le mettre. Chance élevée x4 fois... Bah attends, mais on peut mettre super chance. Bah moi x16 ça me va hein. Ouais, car, mais attends, mais c'est quoi ça? Moi je veux plus de chance moi. Réduire la limite bancaire. Non non, c'est pas grave, vas-y à fond. Regarde, voilà. Oh les améliorations. Oh là là, mais attends, mais ça va être fou là. Non mais c'est dingue que ce soit pas activé par défaut. Ça doit se faire hein. Je pense que ça doit se faire. Je ne suis pas forcément un pro de base, mais là je peux vous dire que là. Alors là, mais les CPU de dingue qu'on va avoir, ça va être n'importe quoi là, non? Bon, alors là déjà on a que les épées. Oh, on a des épées divines. Faire un peu genre si moi j'avais la mienne là. Un petit peu ah, j'ai plus de place. Alors je vais vendre celle-là. Celle-là je vais l'acheter. Voilà. Non, je vais pas échanger pour l'instant, c'est gentil, c'est gentil. Ouh, divin plus plus. Non mais, non mais celle-là, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Parce que là, le divin plus plus, c'est 6000. Alors qu'imaginez, donc celle-ci, c'est 3 millions de dégâts. 3 millions. Je pense que c'est un développeur. Hein. Il est là, regardez, c'est Afaria là. Mais Afaria, je pense que c'est un développeur, c'est pas possible. Parce que franchement, l'épée, elle est vraiment ouf, quoi. Oh là 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 là. En vrai, la mienne, regardez, elle est déjà bien stylée. Niveau 118, divin plus plus, 6000 de dégâts. Je suis sûr que je peux faire mieux. Regardez d'ailleurs, bon, on parle pas des vertes là, mais des roses hein, qui sont les divines. Regardez, on a quasiment toutes les couleurs. Alors, celle-là, je vais l'acheter. Voilà, et celle-là, c'en est une autre. Regardez, je vais prendre celle-là au milieu là. 11 000. J'en ai fait une en or. Regardez, les amis, j'en ai fait une en or. Waouh, c'est quoi ça? Attends, c'est. Pourquoi j'en ai ici là? Attends, c'est celle que j'ai jetée? Ah, ça doit être celle que j'ai jetée. Ah, ok, elles sont stockées. Ok, elles sont stockées. Voilà, ici c'est le stockage. D'ailleurs, on a l'épée des abonnés ici. La force des abonnés, c'était la bleue. Ok, très bien. Très bien. Alors, je vous rappelle qu'on est bientôt 120, les amis. Là, on a mis bien sûr les trucs au maximum. Hein. N'oubliez pas les upgraders, les paramètres de votre machine. Et n'oubliez pas que vous pouvez améliorer aussi vos objets. Donc là, voilà, tout est à fond. Là, c'est bon. On est en x32. Le maximum, c'est 600. Niveau maximum c'est 600 pour votre justement votre machine. Voilà. Ok, on est déjà attends, elles sont déjà au plus de la moitié. Elles sont là 300 et quelques. Laisse tomber hein. Laisse tomber l'amélioration. J'ai 1 milliard là. Voilà. Ok, bah écoute, on va quand même aller dans le canyon de sable. En plus le jour va arriver, c'est impeccable. Il y a tellement de monde, c'est tellement bien. C'est un jeu qui peut durer vraiment longtemps. Oh, attends, j'ai envie de tester quand même. Là j'ai combien de points? Ouais non, je vais me faire totalement poutrer. Non ça va, je me ferai pas poutrer mais je perds des points de vie quand même. Alors que là je suis invincible quoi. Oh, mais je suis vraiment invincible. Bon, je peux récupérer les épées. Alors je sais pas si au bout d'un moment il y a un stock. Ah ouais, je peux pas les prendre. Ah c'est dommage. Ah, je crois qu'on peut améliorer le sac à dos. Hein. Je sens qu'on peut améliorer le sac à dos. Oh, c'est ouf comment je les explose. Alors je prends les gemmes, ça c'est cool. Parce que les gemmes ça vous sert aussi à acheter les boosts hein. Regardez que j'en haut hein. Vous les achetez avec les gemmes, hein, les amis. Oh, incroyable. Ah, on est 122. Les amis, on peut aller dans l'avion de glace. Oula, il y a un problème de traduction, là, avion de glace. C'est peut-être des avions de glace, hein. J'aurais dit canyon. Alors, je vais équiper tout de suite l'épée, hein, parce que là... Ok, let's go. Waouh. Attention, j'arrive avec l'épée ultime. Les amis, ils ont aucune chance. Ils ont aucune chance. Regardez, je suis en niveau, en grade 5, grade 6, là, pour le classificateur. Faire un peu attention. Boum. Oh là là! Mais ils ne peuvent rien faire! Je suis officiellement en possession de l'épée légendaire, les amis. L'épée la plus puissante au monde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est un truc de ouf! C'est un truc. Même mes épées, elles sont quand même pas mal, hein! Elles sont quand même pas mal. Franchement, je vais peut-être. Est-ce qu'on peut les rendre visite aux gens? J'aurais bien donné des épées aux autres quand même parce que. Ah, j'aurais voulu rendre à César ce qui était à César, mais il est plus là. Ah, bah lui, il a une belle tête, le chat là. Faut voir un petit peu, elles sont où ces machines? Ah, il est là-bas. Salut, tu es le heureux élu, tu mérites. Toi aussi. Alors, j'ai quand même gardé cette épée là, mais je vais lui donner une épée. Pas dégueu. Voilà, je vais lui donner celle-là. Tiens, les cadeaux. Voilà, elle est pour toi. Voilà. C'est cadeau. Voilà, j'espère qu'elle te plaira. Il va me dire, ça se trouve. Non, mais récupère ta poubelle. Enfin, un peu. Ah ouais, non, quand même. 6 millions, je lui donne, hein. Pas de problème. Avec plaisir. Avec plaisir. Franchement, si j'aurais pu faire mieux, j'aurais fait mieux. Mais je tiens trop à cette épée. Regardez, même dans l'inventaire, elle est ouf. Et là, écoutez, les amis, on va du coup s'arrêter là. Pour Roblox War Factory X, je peux dire qu'on a l'épée la plus puissante au monde. Les amis, justement, pour cette épée incroyable, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, elle le mérite. Merci les amis, c'est grâce à votre force qu'on a pu avoir cette épée aussi également. N'oubliez pas aussi également, les amis, de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi les amis, si vous aussi, vous avez peut-être une épée plus puissante que ça dans les commentaires. En tout cas, merci à tous les amis, c'est moi le Jumper.
en possession de l'épée ultime. Et je vous dis les coups, à très bientôt et ciao les amis.